വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Sois loué. L'agneau est assis sur son trône. Nous pouvons nous mettre. On va mettre le thème à l'écran. Nous lisons 2 Timothée chapitre 3. Du 1er au 9e verset. Sortir des temps difficiles. On va nous lire, oui. 2 Timothée, chapitre 3, du 1er verset au 9e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sache que you are sema, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, bakibengo, blasphémateur, bakukufuru, rebelle à leurs parents, batombozi kuwazazi wao, ingrat, washipo shukrani, irreligieux, washipo kupenda mambo ya Mungu, insensible, washipo bulbash batu basio buluma, déloyaux, batu basipo ustare, calomniateur, ba masimango, intempérant, batu ba tombosi, cruel, ba romu baya, ennemi des gens de bien, ba dui ya batu ba zuri, traître, ba ku tsongeana, emporté, ba ku tomboka, enflé d'orgueil, ba kiburi, aimant le plaisir plus que Dieu, benye kupenda kujifuraisha kuliko Mungu, ayant l'apparence de la piété, bekononekana sema ni ba Kristo, mais reniant ceux qui en fait la force, lakini aba ichike kinye kinafanya nguvu ya bu Kristo. Éloigne-toi de ces hommes-là, enda mbali na bale batu. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Kuko wengine katikati ya bale bantu maningiaka mu manyumba, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné.
Bekonenda kushika wanawake wale wa wa roho mwepesi. Mhm. Chargé de péché. Benye kujaziwa na zambi. Agité par des passions de toute espèce. Benye kusukumiwa na matama ya kuachana. Apprenant toujours. Banapenda paka kufund kuba kujua baba. Et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres. S'opposèrent à Moïse. De même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut seul de ces deux hommes. Amen. 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 Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ulifuata kabisa mafundisho yangu. Ma conduite. Mwenendo yangu. Mes résolutions, mipango yangu, ma foi, imani yangu, ma douceur, upole wangu, ma charité, mapendo yangu, ma constance, na kudumu kwangu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Ce texte est une prophétie que l'apôtre Paul avait reçue en son temps et qu'il avait dit à Timothée en lui disant dans les derniers jours. Alléluia. Et nous, toi et moi, nous vivons dans les derniers jours. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Il y aura quoi? Et la parole de Dieu explique ou démontre la cause des temps difficiles. La Bible dit, car les hommes seront égoïstes. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, celui qui vit dans l'égoïsme s'attire des temps. Voilà. Celui qui aime, qui s'aime soi-même et qui vit dans l'égoïsme, qui ne veut pas, qui n'a pas la vie de, qui n'a pas la libéralité, qui ne sait pas partager, donner aux autres, s'attire lui-même des temps difficiles. La Bible dit, les hommes seront amis de l'argent. Pas amis de leurs frères. Amis de quoi? De l'argent.
veut dire qu'ils vont aimer beaucoup plus l'argent que les hommes. Leur mobile, c'est l'argent. Ils sont amis de l'argent. Celui qui est ami de l'argent s'attire lui-même des temps difficiles. Alléluia. Si vous suivez les informations des choses qui se passent dans le monde, tous ces problèmes, ces complications dans le monde, dans les vies des gens, même de ceux qui semblent avoir les moyens. La raison, c'est ça. La Bible dit, quand les hommes deviennent égoïstes, les temps difficiles viennent dans leur vie. Quand quelqu'un aime l'argent, il s'attire lui-même des temps difficiles. Alléluia. Pendant que je parle, regarde-toi toi-même. Comprends la pensée de Dieu. Si tu veux sortir des temps difficiles, commence d'abord par toi-même sortir de ce caractère. Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfaron. Un fanfaron, c'est un vantard. Quelqu'un qui se glorifie, qui cherche la gloire. Hein? Qui veut paraître ce qui n'est pas. Alléluia. Qui veut montrer aux gens qu'il est aussi quelqu'un. Pendant qu'en réalité, il n'est rien. C'est un fanfaron. Un vantard. Celui qui est hautain. La Bible dit, car les hommes seront hautains. Batu batakwa bakibengo. Mutu wa kibengo ekona rikokotea ye moya mawakati ya nguvu. Aleluya. Il y a des gens qui voient les autres quand ils les voient, quand ils leur parlent, ils les méprisent. Il parle d'une manière hautaine. Écoute bien aimé, tu t'attires des temps difficiles. Ça viendra certainement dans ta vie. Alléluia. La Bible parle des blasphémateurs. Blasphème. Qu'est-ce qu'un blasphème? Ou qu'est-ce que blasphémer? Blasphémer veut dire mal parler contre ou mal parler sur ce qui est sacré ou sur celui qui est sacré. C'est comme ça que Jésus a dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Il y a des gens qui s'attirent eux-mêmes des problèmes, des temps difficiles dans leur vie parce qu'ils se donnent les culots de blasphémer. Ils parlent mal contre des serviteurs de Dieu,
contre des servants de Dieu, ils parlent mal. Blasphémer veut dire parler mal contre ce qui est sacré. C'est ça le blasphème. Alléluia. Il se dit chrétien, mais il se donne quand même le luxe. Il peut parler du n'importe quoi sur un serviteur de Dieu, sur une servante de Dieu. C'est le blasphème. Qu'est-ce que les pharisiens avaient dit? Jésus a chassé un démon de quelqu'un qui était muet, sourd-muet, et la personne a commencé à parler. Et ils ont dit, il chasse les démons par Belzéboul, les princes des démons. Ils ont traité Jésus de magicien. Ils ont traité Jésus d'occultiste. Et Jésus a répondu qu'ils ont blasphémé. Ceux qui blasphèment, cela veut dire ceux qui parlent mal contre Dieu, son œuvre, ou ses serviteurs blasphèment et s'attirent dans leur vie des temps difficiles. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Je suis venu ce matin pour te prévenir et te montrer que tu peux sortir ou tu peux être épargné des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Alléluia. Batombozi mbele ya bazazi yabo. Celui qui est rebelle à ses parents s'attire lui-même dans sa vie. C'est-à-dire un rebelle aux parents, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il n'obéit pas aux parents. Il ne se soumet pas à ses parents. Il ne respecte pas les parents. Alléluia. Allez faire les sondages. Alléluia. Allez faire des recherches. Allez faire des sondages. Allez poser des questions. Il y a des gens... On leur a dit, oh tu vois, si tu souffres, les sorciers, c'est ton père, c'est ta mère qui t'ensorcelle, ainsi de suite. Et ils ont pris des attitudes vis-à-vis de leurs parents. Allez voir dans leur vie s'ils sont bénis, malgré la prophétie qu'on leur a donnée. Allez faire les sondages. Alléluia. Allez faire les sondages. La Bible dit, il y aura des temps difficiles parce que les hommes vont se rebeller contre leurs parents. Ingrat. L'ingratitude, c'est manque de reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien. Alléluia. Mais tu oublies le bien qu'il t'a fait. Tu oublies complètement. Bouzouri, belle franchie. Et tu lui remets le mal. C'est de l'ingratitude.
Et la parole de Dieu dit, de telles personnes auront des temps difficiles dans leur vie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrates. Beaucoup de personnes qui sont ingrates, qui oublient facilement les biens que quelqu'un a fait pour eux. Ils oublient facilement. Il suffit d'une circonstance, ils l'oublient facilement. La Bible dit que les ingrats dans les derniers jours auront les temps difficiles. Que Dieu soit loué. Quand tu te dis rien ne marche dans ma vie, la vie me complique, ça ne va pas, ainsi de suite, au lieu de chercher la solution, regarde-toi d'abord. N'est-ce pas toi-même qui a attiré ce temps difficile dans ta vie? Aina we mo liko kotele. Pa wakati. Alléluia. Lokupenda makuta. Tu aimes l'argent au point de refuser le droit de ceux qui travaillent. Si quelqu'un te rend service et que mulisiglizana ke mutaripana, muripe makuta yake. Mais kama unakatala kumuripa makuta ile sawa uko na makuta. Unaangalia paka ma plan yako, ma projet yako, yeye unamwacha. Yeye wasema Mungu atakuletea temps difficile. Parce que tu es ami de l'argent. Ça c'est la première chose, et puis tu es ingrat. Quelqu'un a travaillé pour toi. Mais toi, tu t'en fous. Alléluia, peuple de Dieu. Tu t'en fous. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est l'Esprit qui a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des gens seront irreligieux. Irreligieux veut dire des gens qui n'aiment pas les choses de Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est les enseignements de la parole de Dieu. C'est la prière. C'est la communion fraternelle. Alléluia. Non, lui n'aime pas ça. Si tu n'aimes pas les choses de Dieu, les enseignements qu'on te donne, la prière, la communion avec les frères, la Bible dit, tu auras des temps difficiles. Insensible. Bachobulouma. Alléluia. Il y a des gens qui sont insensibles. Ils s'en foutent. Avant ce que je disais, Bouluma moutou mouingine. Abi mouangariye. Anaripendela ye mouinyewe. Il est insensible. Il ne peut pas compatir au problème de quelqu'un d'autre. Il est insensible. Anana bouluma. Ta moutonor moulomba bouluma. Ah ah. Alléluia. Parmi les enfants de Dieu, ceux qui se disent des enfants de Dieu, il y en a qui sont rapides à prendre des dettes. On est congolais, comment t'as fait? T'as goulé.
Kamane shakubeba moye. Hata kulurishi. Shibekom, mungu wa mungu. Hata napata makuta kweza kulurisha ndeni. Hata lurisha. Sans lui dire rien, il est insensible. Alléluia. Il est insensible. Hata mutono moneja sangaria, jo makuta yangu ni affaire. Uniripeko. Kama ni ndeni ya 100,000 francs. Leo nakuya, kama una insisti nakupatia 3,000. Kesho 2,000. Neni itaisha au cours de l'année. Ule mtu oro mbaya. Et il y en a d'autres aussi. Lorsque quelqu'un va vers eux pour les supplier, demander peut-être pardon, demander une certaine compréhension. Non. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles parce que des gens seront insensibles. Déloyaux. Ou déloyal. Une personne déloyale, le mot déloyal vient, c'est le contraire de la loyauté, le dévouement. Vis-à-vis quelqu'un s'engage à servir une autre personne. Quelqu'un s'engage à respecter les instructions d'une autre personne. Il s'engage à être loyal envers. Alléluia. Mais la Bible dit, dans les derniers temps, les gens vont s'engager hypocritement. Ils vont devenir déloyaux. Comme quoi pour je vais donner ça. Tout ça, quand tu n'es pas là, à toi que. Alléluia. Même dans le travail du Seigneur que nous faisons, nous voyons ça. Des gens qui paraissent être loyaux. Mais après, Dieu démontre que cette loyauté-là n'était qu'un agenda caché. Elle quoi n'a même pas quelqu'un à tafuta kumugongo kule. Et quand quelqu'un n'est pas déloyal, il finit par être un calomniateur. Et puis un traître. Alléluia. Il y a des temps difficiles quand on devient calomniateur. Biakusema sema. Biakushimanga shimanga. Mind your own business. Alléluia. Occupe-toi de ce qui te concerne. Biakushimanga. Calomniateur. Accusateur. C'est ça un calomniateur. Alléluia.
les temps difficiles est attiré par ces caractères que je suis en train de vous dire. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes vont adopter ces caractères ici. Intempérant, cruel. Hey. Alléluia. Intempérant, cruel. J'aimerais les mettre ensemble. La tempérance veut dire quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait maîtriser ses sentiments. Mais on dit, les hommes seront intempérants. Ni mambo tukilo anaweza kutomboka ana yeye mu Kristo. Anashego mu Kristo. Me kama anafungula kinywa. Achambule. Ah, même le diable lui-même s'étonne et dit, ah, ça c'est réellement ma fille. Cruel, méchant, des gens seront méchants, prêts à faire du mal. Un homme cruel, c'est celui qui veut faire du mal. Tu viens à l'église, j'appartiens à Jésus-Christ. Tu rentres dans la maison, tu es prêt à faire du mal à ta femme. Tu tapes ta femme. Tu es cruel. Tu es prêt à faire du mal à ton mari, à ton frère. Tu es cruel. Hey. Sache quand tes comportements sont comme cela. Tayari kukombana, kupikana, en te comportant comme cela, tout ce qui va arriver dans ta vie, ce sont des temps difficiles. Alléluia. Nous avons le choix d'avoir les temps difficiles ou pas. Tout dépend de ta nature, pas du diable. Il y a beaucoup de gens qui disent non, ni Satan, ni comment, ni Satan, ni ma démon, moi je suis Kubalangia. Le diable et les démons ne viennent que pour tenter, essayer. Satan, il y a un peu de temps, 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 il y a cruel. Alléluia, peuple de Dieu. Ennemi des gens de bien. Quand quelqu'un fait du bien, oui, qui n'a pas ma couro. Alléluia. Vous savez, il y a certaines techniques pour savoir si tu as de l'égoïsme, pour savoir tout ça. Il y a certaines techniques que tu peux savoir seulement. Alléluia. Prenons un exemple. Vous arrivez quelque part. On vous sert à manger. Quelqu'un d'autre arrive. Si dans ton cœur, il est sur le monde qui a fait pour nous faire un mans. Aïe, aïe, aïe. Tout est à toi, Néa. Ozamabe. Royako. Alléluia. Ou même tu es chez toi à la maison, vous voulez manger, quelqu'un dit, oh, tu. Au lieu que tu sois dans la joie de partager, mais tu sens ton cœur te faire mal. Ton cœur. Dis-toi seulement sur le champ là. Naza, mabé. La Bible dit ennemi des gens de bien. Ça signifie
quelqu'un fait des bonnes choses, mais toi tu es contre. Dis, antafta kuri vomish, antafta kuri on. Ya d'ailleurs. Alléluia. Si quelqu'un fait du bien, gloire au Seigneur. Mais si tu vois quelqu'un faire du bien, faire quelque chose, mais toi ça te fait mal dans ton cœur. Osamabe, ne t'en fais pas. La parole de Dieu, elle est claire. Des temps difficiles viendront dans ta vie. Acclamons Jésus. La Bible parle des traîtres. Traîtres. Quelqu'un pour ses intérêts, il est prêt à te sacrifier. Quand il est avec toi, il montre qu'il est avec toi. Mais quand il te tourne le dos, il est prêt à te sacrifier pour ses intérêts. Un traître. C'est comme ça que Judas a trahi Jésus. Judas était un traître. Et vous voyez ce qui est arrivé à Judas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de leurs intérêts, ils sont prêts à être traîtres, à trahir. Alléluia. Alléluia. Vous avez souffert ensemble avec ta femme. Elle t'a supporté pendant que tu n'avais pas le boulot. Tu n'avais pas le travail. Elle t'a supporté. Vous avez souffert ensemble. Et c'est donner le temps même de prier, de pleurer à Dieu, tout ça. Et puis après, Mungwana Saïdia, on n'a pas ta cage, on a un jacoubamba. On a un jacoubamba. Alléluia. Elle ne profite pas de ça. Tu es un traître. Ne t'en fais pas, ça vient. Je te le prophétise au nom de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Dieu a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Parce que des gens seront des traîtres. Il y en a quoi, Moubaï? Ayoté Nakusema. Car secrétaire que la Kakoukaji, donc on a un français bien. Vous pouvez sortir ensemble. Alléluia. Écoutez, celui-là qu'on a chanté, qu'il est assis sur le trône, c'est celui-là qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie. Nous rendrons compte à lui pour tout ce que nous avons fait. En pensée, en parole et en acte. Mais avant ce temps-là de rendre compte devant lui, il s'arrange pour nous faire payer. Il dit, il y aura des gens tant difficiles parce que des gens seront des traîtres. Alléluia. Nous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, on en a vu de toutes les couleurs. La trahison, on en a vu de toutes les couleurs. Alléluia. Facilement, à cause d'un intérêt, quelqu'un peut facilement, quelqu'un pour qui tu as prié, pour qui tu as prier Dieu, tu as jeûné, tu as encadré, tu as tout ça. Après un temps, pas comme le mouvement Yesu. Non, il n'y a pas de mouvement. Non, il n'y a pas de mouvement. Ce qu'on doit faire à Yesu.
Alléluia. La Bible parle aussi des gens emportés, enflés d'orgueil. Un orgueilleux, c'est celui qui s'élève lui-même et qui rabaisse les autres. Écoutez bien, aimés, nous respirons tous le même oxygène, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même celui qui a beaucoup de maisons et celui qui n'en a pas, qui est locataire, l'oxygène est différent. Celui qui a un compte en banque dans lequel il y a des millions de dollars et celui qui n'a rien, l'oxygène est différent. Ou bien il y a un soleil des riches, un soleil des intellectuels et un autre soleil des illettrés. Hein? Alors pourquoi tu t'élèves, tu penses que l'autre est rien devant toi? Pourquoi tu peux mépriser quelqu'un? On a rien. Est-ce que tu me connais? Ozoé Banga? Naébio, Oza poussière. Alléluia! Je te connais, tu es poussière. Et tu peux pourrir. L'orgueil attire dans la vie. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il va te laisser le temps de t'enorgueillir. Mais il y aura aussi un temps qu'il va te prouver. Alléluia. Que vous coulez. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. L'humilité précède la gloire. Sois humble. Respecte tout le monde. Honore tout le monde. Respecte tout le monde. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. Celui que tu peux mépriser aujourd'hui, tu ne sais pas, peut-être c'est lui ton sauveur de demain. Ton travailleur d'aujourd'hui peut être ton chef de demain. Joseph était dans la maison de Potiphar. C'était un travailleur, un esclave. Mais c'était le boss de Potiphar de demain. Ulokuna benga. Ozoye banga. Tu me connais. Alléluia. Tu t'appuies, je ne sais pas, sur tes diplômes, je ne sais pas sur ton poste, je ne sais pas sur ton argent, ou sur, je ne sais sur quoi. Tu ne sais pas ce qu'il pourrait être demain. Des fois, Dieu approche de nous ceux qui devront être de nos soutiens de demain, mais il les approche vers nous en étant des faiblesses, en état de faiblesse. Pendant que nous sommes forts. Afin que nous les soutenions. Pour que demain dans le futur, quand ils seront forts, nous serons faibles. Ils vont aussi nous soutenir. Mais l'orgueil qui bourrit. Alléluia. Qui bourrit. L'orgueil attire des temps difficiles.
Dieu soit loué. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant se plaire plus que Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, la vie chrétienne n'est pas une vie tous les jours, pareil à Ntcheko, pareil à Foura. C'est une vie de bénédiction, c'est aussi une vie de persécution. C'est une vie d'épreuve aussi. Dieu peut t'éprouver, éprouver ta foi. Alléluia. Il y a des moments où Dieu vient t'éprouver. Non. Alléluia. Ils aiment qu'on leur fasse plaisir. Quand même maubiri ya leo, il est quoi qu'on a kutabiri, kilo takwa kesho parce que kesho kutakwa bien. Apa ni mambo kama mshana na kushimama. Avance prophète. Avance prophète. Parce que ça vous plaît. Ce n'est pas que Dieu ne prévoit pas quelque chose de bien pour nous. Alléluia. Mais on ne doit pas aimer la bénédiction plus que Dieu lui-même. La Bible dit, les gens auront des temps difficiles parce qu'ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Un plaisir n'est pas quelque chose de mauvais. Mais tu ne peux pas aimer quelque chose qui te plaît plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer la bénédiction plus que Dieu. Il dit aimant les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Les gens n'acceptent pas maintenant de souffrir pour Christ. Ah. Souffrir pour Jésus. Ah. La Bible dit, il y aura des temps difficiles parce que des gens vont aimer les plaisirs. Certains viennent à l'église, mais ils sont dans le monde. En tout cas, vous connaissez aller au dimanche. Mais déjà, on le voit pas. Na banane. Vous le voyez na fani. Gloire au Seigneur. Aimant les plaisirs, c'est plaire plus que Dieu. La Bible dit, ces gens-là ont l'apparence de la piété. Cela veut dire, quand vous les regardez apparemment, alléluia. Ah, bah Christ. Mais vous ne savez pas ce qui est dans leur cœur. Et l'apôtre prend un exemple. Parce qu'ici, il ne parle pas à ce niveau ici des païens. Il dit, ils ont l'apparence de la piété. Il dit, il y en a parmi eux qui entrent dans des maisons pour captiver les femmes d'un esprit faible. Maman Minona, la sobrada yasevi, on a soubrouga varanas. On a commandé Chouassana. Ça va, papa. Vite, on épite. Alléluia. Ah là 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 là. Mungu ananionyesha sema ile vito konayo. Akusema ishe. Action 2. Baba, c'est ma tout à l'aide. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
La Bible dit qu'il entre dans des maisons et qu'il rend captif. Et on cite les femmes. Les sœurs, alléluia. Non, il faut t'organiser, veiller quoi. On a fait veiller. Asa ndio Mungu atakusaidia. Mungu ni moya. Mwenye kuikala pa kichi yake. Na Mungu aorganizake mtu moya anamupatia bazazi ba mingi. Eh? Asema leo papa wangu na mama wangu ni ba voisin. Juma napiga kwa nguku. Yeye anakuria sasa vile mama anapiga nsomba mbona tena papa na mama. Unakulia kwa voza. Shuikarie paka kule. Shuikarie paka kule. Aleluya. Aleluya. Dis à celui qui est à côté de toi, n'est pas un esprit faible. Right. N'est pas un esprit faible. Reçois les enseignements, pratique la parole de Dieu, tu vas sortir des temps difficiles. Ce qui amène des temps difficiles, c'est parce que on est traître, on est égoïste, on s'aime soi-même, on cherche les plaisirs, on est ami de l'argent, on est ceci ou cela. Et ça mène dans notre vie des temps difficiles. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à certaines personnes, apokuna teswa, apauna, unabaona, hein? Shaun, abaona, hein? Si n'est pas passer à Ben Jogon à Maombi, à la combé à chaque fois, je sais, il prophétise ainsi de suite. Kishona pata. On a sabu we mwenyewe kulo litoka. Alléluia. Jobo banakuya sasa. Non, il faut faire attention, hein. Vous savez, là, zou braga varada, yazou qui yon zou. Minaona, minaona. Gloire au Seigneur. Tu peux sortir de temps difficile si tu enlèves de toi tous ces caractères qu'on vient de citer. Tu les enlèves, mais tu t'attaches aux enseignements, à la parole de Dieu que tu reçois et tu la mets en pratique. Tu verras que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'attachement aux enseignements, à la parole de Dieu qui nous est donnée, c'est ça qui nous fait sortir des temps difficiles. Le reste, ça ne sert à rien. Que Dieu bénisse sa parole.